Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur la Burgundie. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous prévenir, malheureusement, après de multiples tentatives, la série et surtout la sauvegarde avec les Celtes est maintenant corrompue après que Kyo ait créé la couronne maudite, la couronne de la mort, qui a fait planter le jeu à chaque fois dès qu'il crée cette couronne. Je tiens à vous prévenir, bon visionnage. Et après, dès qu'on aura fini de conquérir l'Angleterre, on va devenir Celtica Imperium. Voilà. Ah, j'ai hâte, ça va être trop mignon. J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est une évolution, c'est un Pokémon. Ah, mais mon Dieu, mais il y a vraiment plein de gens qui veulent que je les inspire. Ok, c'est parfait. Inspire-nous, Kyo. Inspire-nous. Je suis en train de faire masse artefact. Là, j'ai trois complots d'artefacts qui sont en train de se faire. Les gens ont envie. Waouh, ah ouais. Oh mon Dieu, Favali. Il se passe. What the fuck. Elle est pas mal. Ok. Taxe des vassals plus 8% des vassals les plus puissants. Mm-hmm. Prestige plus 0,3 par mois. Plus 2 d'intrigue par niveau. D'intendance par niveau de stress. Et moins 7% de coûts de construction de bâtiments. Voilà. La couronne de... De la malédiction. La couronne de l'argent. Tu l'as vraiment renommé comme ça? Ah, et ça a craché. C'était bien trop puissant. C'était bien trop puissant pour ce monde. Kyo vient de cracher en direct. Pourquoi? Non, cette couronne était bien trop cheatée pour être entre ses mains. Trop de puissance, comme on dit. Trop de puissance. On est au début de l'année. Mais vous inquiétez pas, je vais revoir. Et de deux, je ne supporte rien si tu n'auras pas ta couronne. Et ça se peut que tu auras dans tous les cas ta couronne. Et ça se peut que ça va même bugger dès que tu vas recevoir la couronne. Ça se peut que tu es dans une boucle virtuelle où au final, tu ne dois pas recevoir cette couronne. Et du coup, dès que tu la reçois, le jeu te dit nope. Mais on a déjà changé le futur, Favali. On a changé le futur. Le futur de maintenant, c'est demain. Oh purée, ma couronne est moins bien. Prestige plus 0,3, plus 1 de domaine limite. Ah si, quand même, c'est pas mal ça. Ouais. Et sinon, 7% de contribution des taxes en plus. C'est pas trop dégoûtant. J'ai vu mieux, mais j'ai vu pire aussi. Voilà. Mmh. Ah bah ça crache. Je te l'ai dit. Je pense que j'ai compris. Hein. J'arrête. Tu ne dois pas avoir cette couronne. C'est la couronne du mal, Kyo. Elle t'a corrompu. Elle a pris ton pouvoir. Elle se sert de toi pour prendre la connexion et faire planter le jeu. Parce que tu ne dois pas recevoir cette couronne. Les dieux ont parlé, Kyo. Tu ne dois pas recevoir cette couronne. Et cette couronne était si bien. Elle est maudite, cette couronne, Kyo. Ouais, alors cette fois-ci, on est de retour et je vais vous dire les gars, on va pas rigoler. Hein. Alors, on va mettre la lecture et on va crafter la couronne de la mort et cette fois-ci, ça ne va pas crash. J'aimerais terminer ma guerre. C'est trois fois qu'on te plante. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. C'est pas ma faute si je crafte la couronne maudite. Détruit le monde en fait. Voilà. Elle a détruit le monde, Kyo. Deux fois de suite, et tu veux relancer. Une bombe nucléaire ambulante, ta couronne. C'est clair. Dans 4 mois. La couronne des dieux. Dans 4 mois, mais voilà, et voilà. Non, mais vraiment, si ça plante, c'est-à-dire que c'est fini. Il faut que tu arrêtes cette couronne. C'est ça. Si ça plante, ce que je ferais, c'est que j'annulerais l'inspiration qui est en train de crafter ma couronne actuellement. Enfin, une véritable décision. On n'invente pas la bombe nucléaire comme ça, quoi. Sans avoir testé le bouton rouge. Alors, la building cost moins 8%, indépendant, ruler opinion plus 10, monte-li, machin. Bon, c'est de la merde. Détail. Oh mon Dieu, mais ça a l'air d'être passé, Favali. Je suis en tournage. Et le jeu plante. Voilà, merci. Merci beaucoup de votre plantage alors que je joue une partie modée. Voilà. Sans si ça se trouve, c'est même pas leur faute en fait. Bon, évidemment, je vais pas l'envoyer. Hein. Faut pas déconner, les pauvres, t'imagines. Mais malheureusement, je pense qu'on peut arrêter cette série-là. Enfin, Vali, je sais pas ce que t'en penses. Ce n'est qu'un au revoir.
L'horreur. C'est n'importe quoi. Au secours. C'est... Finalement, c'était pas la couronne le problème, c'était la partie favorite. Mais est-ce que la couronne n'a-t-elle pas détruit le monde, en fait, au final? Et que dans n'importe quelle réalité et multivers, elle a détruit ce monde. Et au final, ça fait que la partie ne peut pas être continuée. Je sais pas. Ou alors, en fait, c'est à cause de l'impératrice. Comme l'impératrice n'est pas morte, enfin, est morte, ça a foutu le bordel et ça a fait cracher le jeu. Sera dans une réalité alternative. Voilà. des bisous à vous. Et pour moi, je vous dis à la prochaine, hein, les gens. Tchou. Et on se reverra très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas aussi à venir voir la série Dreamworld de Kyo qui ne plante pas. Dans voilà. Le prochain épisode. Kyo, on a atterri où ? Alors, moi, je vais jouer quelqu'un de fort sympathique. Lord Manny Marco, le roi des vers. Gruzul de la tribu Gore et qui... Moi, je suis un orc et on va tabasser des gens.